that you can be. Well, open your eyes and you'll see the way I see. Cause all that I want is for you to be happy with me. All that I want is for you to be happy with me. Hey, bon matin, midi, soir, bref, bon, bonne journée. Et oui, sur YouTube, ça fait beaucoup trop longtemps que je ne suis pas venue sur YouTube. Excuse-moi, gênée. Non, bon, ok. Je vous ai promis que je vous ferais un vidéo en route pour Disney, ok? On va vivre toutes des expériences ensemble parce qu'on est lundi, 2h l'après-midi. On part dans la nuit de mardi, mercredi et toujours pas de passeport! Hey, la saga des passeports, j'en parlerai pas en long et en large ici. Mais, mettons que vous avez pas vu la saga sur Instagram, je ne suis pas la seule, je suis vraiment loin d'être la seule même. Mais on a fait notre demande de passeport il y a plus de 4 mois, c'est pas parce qu'on était en retard. Puis, quand tu vas sur place, ils prennent personne au stade où on se parle là. Ils ne prennent personne en bas de 24 heures qui part. Pas du tout stressant. Fait que Max est là depuis hier, 21h. Là, il est 2h l'après-midi. Il est un des premiers à la porte, il était 180e. Au départ, ils ont dit on prend personne qui part pas en bas de 24 heures. Après ça, là, il y en a qui sont partis. Puis finalement, ben ils ont arrêté devant lui. Ils ont dit qu'ils prenaient plus personne. Fait que là, une autre nuit à passer là. Fait que là, je sais pas trop c'est quoi le plan de match. Je vais vous dire ça plus tard. Mais moi, j'ai comme une heure pour faire les valises. Après ça, je m'en vais chercher les enfants. Puis on sait pas trop si on va s'échanger Max puis moi. Moi, il y a quand même des affaires qu'il faut que je règle niveau de travail avant de partir, vu qu'on part demain dans la nuit. Je finalise des choses avec mes employés, prépare finaliser les petites dernières affaires comme quand t'es entrepreneur puis tu prends des vacances. Mais somme toute, je vous ai promis que je vous amènerai avec moi dans la préparation des valises. Puis je voulais vous montrer qu'est-ce que j'avais fait. J'ai fait hier une liste pour faciliter. Là, vous allez voir en arrière, là, c'est le bordel à la maison. Là, le bordel dans la maisonnée. On a comme tout sorti le linge, du linge qui sèche. Les piles de linge pas pliées, mais qu'on le sait qu'on va amener en vacances. Fait que ça ressemble à ça chez nous. Fait que je vous montre ma petite... je vais vous montrer, là. Puis mon chum, il dit que les gens sont méchants, là, au bureau de passeport, là. C'est vraiment plate. Mais tu sais, en même temps, tu sais, comme mon chum dit, les trois gars en avant de lui, c'est aussi des papas qui partent à Disney puis qui manquent le passeport de ses enfants. Ça fait chier, là, payer 15 000 pour un voyage à Disney. Que ça se peut que tu partes pas parce que t'as pas de passeport. Mais, en tout cas, hein, on va trouver une solution. Puis l'affaire aussi, c'est qu'on ne peut pas... Tu sais, mettons avoir eu tous les papiers, les certificats de naissance, je pense qu'on serait parti en auto là. Mais, malheureusement, c'est qu'on a un certificat de naissance. Fait qu'on a comme pas d'option. Fait que, en tout cas, à part s'acheter un jet privé, tu sais, on a pas d'option. Fait que je vous montre qu'est-ce que j'ai fait comme liste, ok? J'ai fait une petite liste. T'sais, au moins une chance, on est habitué de comme partir avec les enfants, vous le savez. Fait que, tu sais, je sais que les valises, ça va aller vite. Je vous dirai combien de temps ça me prend. Là. Il est quelle heure? Je sais pas quelle heure. 2h et quelques. Fait que j'ai fait une affaire, mettons, je vais vous montrer. Je vais essayer de vous la mettre au pire sur Instagram si vous voulez screenshotter et tout. Les enfants, pas compliqué, 7 bobettes, 2 casquettes, 2 pyjamas par enfant. Les natives, that's it. Moi, j'amène juste les natives. Parce qu'ils peuvent mettre ça jour et soir. Si on va dans la piscine, genre c'est ceux qu'ils vont pouvoir mettre après. Si on marche toute la journée, je sais que c'est confortable. Ça fait longtemps qu'ils... Ben, ça fait longtemps. Ça fait des mois qu'ils portent puis qu'ils se plaignent pas, qu'ils ont pas de bobo. 7 ensemble par jour. Fait que tu sais, les filles, là, one piece, robe, il va faire chaud. Il annonce vraiment chaud. 2 maillots par enfant. 2 cotons wettés. Et j'ai acheté des genres de ponchos imperméables. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté au-delà aussi. Dans les bagages niveau électronique, jeu, j'ai marqué cellulaire, prise de cellulaire, iPad, prise d'iPad, Switch, recharge de Switch, ma caméra, recharge de batterie. Puis, je vais vous montrer, c'est ça, je vais tout vous montrer niveau jeu pour les enfants. Puis, en termes de jeu, je vais vraiment amener 3 jeux spécifiques, là, le Yum, le Uno, puis un jeu de bataille d'animaux, parce que ça se joue comme autant au resto, dans l'avion, en chambre d'hôtel. Ensuite, tout ce qui est cosmétique, mettons, brosse à dents, pâte à dents, Tylenol, Concerta, mon médic, Benadryl, épipène à Zoé, crème d'eczéma à Zoé, savon pour les enfants, crème solaire enfant, crème solaire adulte, ma trousse et la trousse à Max, c'est comme tous nos déos, maquillage, blablabla, crème après soleil, genre la crème hydratante, et mon shampoing à moi. Ensuite, les trucs plus plates mais essentiels, les passeports. Zut, on pourrait mettre ça dans les bagages aujourd'hui.
carte d'identité, carte de crédit, argent américain qu'on n'a même pas le temps d'aller changer, à suivre. Puis ça ressemble à ça pour ce qui est des valises. Fait que là, top chrono, quasiment une heure. Avant, je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. En fait, je vais vous montrer mon inspiration juste ici. Non, je vais vous la montrer ici parce que je sais que j'aurai pas le temps de faire 1 million de montages. En fait, je sais même pas si vous allez voir cette vidéo avant que je parte. Je vais essayer fort, mais pour vrai, c'est le chaos ici. Fait que j'ai fait pas mal de recherches pour voir exactement ce que je voulais faire aux enfants. Puis aussi, qu'est-ce qui était plus proche de leur... comment je peux dire ça? Leur intérêt. Fait que, premièrement, pour les collations, je vais vous montrer ce que j'ai acheté, là, mais ça ressemble pas mal à ça. Je trouvais ça très cool. Ok, genre des petits compartiments, ça c'est vraiment genre de mes enfants là, voyons, des petits cossins de même. Checkez ça, ça c'était comme mon inspiration, je trouvais ça nice avec les petits Lego. Mais regardez, ce qui m'a vraiment inspiré c'est celui-là. Il y a comme un peu de tout, ça va-tu zoomer? Et voilà. Fait que je vous montre tout ce que j'ai trouvé sur Amazon et ce que j'ai trouvé au dolo. On est parti. Fait que Amazon, j'ai... oui, ça c'est drôle. J'ai trouvé des petits push-push de même dos parce qu'ils annoncent vraiment chaud, comme je vous disais, qui s'accrochent après nos sacs, OK? Amazon, ça venait en paquet de 5. C'est vraiment, vraiment mini. Mais je trouvais que c'est vraiment cute puis ça va être vraiment pratique. Fait que au pire, ça sera 3 push puis ça sera fini. Fait que 2 paquets comme ça, Amazon Prime. Aussi, regardez ça, OK? J'ai trouvé des bracelets. Moi, je suis la mère freak là, qui a peur de perdre ses enfants. Mes enfants ne sortiront pas de la poussette. Je vous le dis, ils vont une brainwasher avant de partir. Mais j'ai trouvé des bracelets comme ça que tu marques sur Amazon aussi, OK? Que tu marques le... Voyons, tu l'as vu? Le nom et l'information et numéro de téléphone. Puis sérieux, c'est quand même... Mais je pensais que ça allait être plus cheap que ça. Fait que j'en ai pris un par jour, un par enfant, pour être sûr. Mais tu mets ça comme ça dans le poignet, fait que t'es sûr que ton enfant, tu sais, ils ont l'air vraiment imperméables. Pour vrai, je pensais vraiment, c'est pour ça que j'en ai pris un par jour. Je me suis dit, si, mettons, il se mouille, il se déchire, au moins à chaque jour, on va pouvoir le changer. Fait que c'est ça, là, c'est des petites affaires cute de même, là. Fait que j'ai pris 2 paquets de ça. Bon, je pense que je vais me faire un îlot de qu'est-ce qu'il va dans quel sac. Ensuite, Amazon aussi, j'ai trouvé... j'avais vu ça sur Pinterest. C'est genre de la... Elles sont plus grosses que je pensais, par exemple. Habituellement, on est comme content quand c'est plus gros. Mais là, vu que ça va dans une petite boîte, c'est un peu... en tout cas, c'est comme de la pâte à modeler de la marque Play and Clay. Qui est comme ça, ici. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, en fait, là, si vous le cherchez sur Amazon. Et c'est de la pâte à modeler qui ne sèche pas, OK? Fait que si, mettons, les enfants, ils... faire mal leur couverte ou je sais pas trop, ben elle va rester c'est comment qu'ils appellent ça? Attendez, je vais essayer de vous trouver. Juste en anglais? Ouais, c'est juste en anglais. En tout cas, ça s'appelle Air Dry Clays. No messy cleansing. Ça veut dire que ça easy to shape. Fait que ça, je vais séparer dans les trois. Dans les 3 bacs, je vais jeter en gomme, je sais que ça gosse. De même, fait que ça, Amazon. Sinon, Amazon, j'ai trouvé les petites boîtes. Je vais vous montrer ça. Mes bracelets, ça venait même avec le petit crayon, genre, qui s'efface pas. Fait que mes bracelets. Pour les enfants, la petite boîte que je vous parle, j'ai choisi ça. Ça, c'est elle à Axel, puis je suis un peu déçue parce que les enfants, je voulais aller voir les filles, il n'y en avait pas qui arrivaient à temps. Fait que regardez, j'aime bien la grosseur. Tu sais, vous rentrez bien des affaires. Puis, je vais essayer de coller, comme je vous ai montré, le truc de Lego pour qu'ils puissent faire des Lego là ou là. En tout cas, je sais que je vous montrerai ça. Fait que pour Axel, celle de dinosaure, hein, je vous montrerai aussi comment je dispatche mes affaires dans les sacs, là. Puis les filles, j'ai dit, je vais prendre un argent. Puis, j'ai fait des bouteilles d'eau personnalisées pour toute notre famille qui part. Puis, j'ai fait faire des collants de Disney. Puis là, je m'en ai gardé pour pouvoir mettre sur les bouteilles. Je vais tout vous montrer ça aussi. Fait que ce que j'ai trouvé au Walmart, j'ai comme il fait Walmart Dollarama, j'ai trouvé un gros truc de Polly Pocket, mais comme des gros Polly Pocket, avec 2 personnages, puis plein de linge. Fait que ça, c'est le genre d'affaires que les filles adorent faire, tu sais, gosser, les habiller, tout. Fait que je vais splitter le paquet en 2, puis je vais le splitter dans les boîtes respectives. Là, je me demande,
Ok, je pensais que j'avais pas reçu mes deux boîtes. Fait que voilà, j'ai hâte de vous montrer le résultat final. Ensuite, Dollarama, des petits Kleenex, toujours pratique. Je me suis dit, tant qu'à acheter des Kleenex normal, je vais en prendre que les enfants vont trouver cute. Fait que, super héros. Walmart, j'essaie de me rappeler qu'est-ce que j'ai pris où. Walmart, j'ai trouvé, attendez. Ça, ça. Et... En tout cas, j'en ai trop comme ça, là. Une petite boîte, mes enfants, vous savez, ils adorent faire tout ce qui est crayon. Fait que c'est un côté que c'est des dessins, l'autre côté c'est comme blanc. Fait que c'est, mettons que Ellie est plus dans un mode de elle-même faire les dessins. Fait qu'elle va pouvoir choisir si elle fait comme sur blanc ou à dessin. Je trouve ça vraiment cool le format. Puis je savais qu'elle est rentrée. Ah non, ça c'est les deux des filles. Fait qu'il y a un de la reine Frozen 2 et un de princesse tout court. Puis Axel, c'est un autre, là, sûrement que je vais le trouver. J'ai trouvé au Dollarama des petites bouteilles comme ça pour transférer. Faudrait que je fasse ça après. Mon, tu sais, j'ai vraiment été par calcul. Mettons, mon shampoing à moi, le savon corps et shampoing des enfants. Pour vrai, moi, je me complique vraiment pas la vie, là. Les enfants, tu sais, ici, je leur mets un shampoing puis je leur mets un savon, comme. Mais là, ça va être comme, je vais mettre du Lolo et moi là-dedans, savon et cheveux. Puis ça va être bien correct pour une semaine. Puis les deux autres, c'est un pour le... Max, il prend ça, là, shampoing et cheveux, là, pour Max. Et l'autre, je pense que c'était pour mon revitalisant, si je ne m'abuse. Fait que c'est bien pratique parce qu'il y a comme des petits... tu peux le coller comme dans la douche là-bas. Puis c'est comme parfait comme... je trouve comme grosseur. Je vais les mettre dans un sac imperméable. D'un coup que ça l'ouvre, ça lit pas toute notre linge. J'ai acheté au-delà des nouvelles brosses à dents. Comme ça. Moi, j'étais due de toute façon, là. Fait que ça, des trucs de même aussi, on était due. Fait que tant qu'à y être. Ensuite... Ah, un autre bouteille aussi. Fait que je sais pas trop comment je sais séparer mes affaires. J'ai trouvé des ponchos, OK, pour les enfants, genre transparents, comme ça. Fait que je me suis dit que, c'est ça, je vais amener deux cotons wettés, mais que si, mettons, ils bouillent full, on n'a pas vraiment d'imperméable assez, genre, tu sais, qu'il peut vraiment pleuvoir intense puis que ça mouille pas, ça passe au travers. Fait que je me suis dit que ça, c'est ouais, non, un petit, ils vendent ça là-bas, genre 60$, là. Axel, le truc, c'était pas patrouille finalement, comme ça. Ensuite, le truc de collation que je vous ai montré tantôt, j'aurais voulu avoir vraiment chacun un parce qu'on sera comme pas assis ensemble dans l'avion. Là, nous, on va en prendre un, ma mère un enfant, puis mes parents un autre. Mais il y avait juste ça que je trouvais que les compartiments avaient du bon sens. Fait que c'est trois compartiments. Fait que tu sais, au pire, je vais essayer qu'ils se timent niveau collation. Là, fait que c'est comme ça. Là, le premier, c'est comme pas un bon exemple parce qu'il est tout défait, mais attendez. Fait que tu sais, je vais mettre, mettons, des affaires qui n'ont pas besoin nécessairement d'être réfrigérées, là. Mon Dieu. Fait que ça ressemble à ça. Fait que tu sais, mettons, des petits poissons, des petits bleuets, tu sais, je pense pas que j'aurai le temps de vous le montrer, mais vous pouvez aller voir sur Pinterest pour des idées de trucs. Tu sais, on a le droit d'amener des collations, si je ne m'abuse, aux enfants pour l'avion. C'est juste les liquides, je pense qu'il faut faire attention. Fait que ça, pour les collations, je trouvais ça intéressant. Élastique, on était dû aussi. Fait que ça tombe bien, je vais pas les déballer avant d'être là-bas. Fait que des élastiques pour des couettes. Je pense qu'il va tellement faire chaud que je vais comme forcer les filles à faire des tresses françaises là-bas. Toujours un petit must ici pour les spectacles de soir. Puis les... voyons, je vais te dire. Les feux d'artifice puis tout. Tu sais, pour pas qu'ils nous gossent d'acheter les grosses affaires à 30$ de Mickey. Je dis pas qu'on en achètera pas un. Mais mettons que je vais prioriser les trucs qui se ramènent et non des affaires qui illuminent dans le noir avec des oreilles, tu sais. Fait que j'ai prévu le coup. On en a en masse. Tu sais, on en a 10, là. Fait qu'on checkera quand est-ce qu'on fait ça. Sinon, ben, pâte à dents pour les enfants. On était dû aussi. J'ai pris de la... C'est pas ça que j'achète d'habitude, mais là, il y avait ça au de l'eau. Brosse à dents pour Axel aussi. Deux autres ponchos, comme je vous ai dit, j'en ai pris pour les enfants. Au-delà aussi, j'essaie de pas oublier où que j'ai pris les affaires. J'ai pris deux petites fans comme ça parce que c'est ça, il annonce hyper chaud. Fait que va pas falloir que j'oublie de mettre des piles dedans. Fait que je le déballerai pas pour que j'y pense.
des petits, ah oh oui, des petits TikTok comme ça, ça là, mes enfants, ça les occupe là, genre, autant que ça les occupe de comme manger ça vu que c'est petit, que c'est une très bonne, comment dire, sans paraître une mauvaise mère, mettons, une bonne menace, mettons, tu sais, si la file d'attente se passe bien, tu vas avoir genre deux TikTok, ouais. Ça se peut que je sois ce genre de mère-là à dîner. et des purées pour leur petite boîte. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Fait que ça ressemble pas mal à ça. Puis là, je voulais voir avec vous parce que je ne me souviens plus zéro pinball de qu'est-ce que j'avais déjà acheté. Fait que pour ceux qui m'avaient suivi, on était supposé partir il y a 2 ans à Walt Disney avant la pandémie. Fait que j'avais dit, oh, j'avais comme un concept dans ma tête d'acheter du linge de Disney. Un petit peu pendant l'année pour que là-bas, il y ait beaucoup de linge de dîner puis que ça soit comme une surprise. Les enfants, ils savent pas qu'est-ce qu'il y a dans les valises. Fait qu'à chaque matin, tu sais, au moins, en tout cas, je pense qu'ils vont moins gosser là-bas peut-être pour acheter du linge de dîner vu qu'ils vont en avoir du nouveau tous les jours. Puis nous, ça nous a pas coûté plus cher qu'autrement parce que c'est tout du linge qu'on aurait acheté de toute façon pour la saison d'été. Fait qu'on va redécouvrir ça ensemble. Je vous montre ça. Et surprise, surprise! C'est genre une valise de... Celui-là, c'est genre des affaires que... Je sais pas pourquoi les affaires dans cette valise-là. Là, la dernière fois qu'on est allé quelque part, ben, on a amené cette valise-là. Fait que là, c'est comme des affaires pour rapport. Ça, c'est vraiment notre genre de pas des fois une valise. Fait que je vais tout mettre ça à terre, puis je vais partir me brasser. Mais ça a l'air d'être du linge genre propre, je comprends pas. Ouais, il y a plein de linge propre là-dedans. Je pense que... En tout cas, fait que je vais mettre ça là. Mais oui, il y a plein de bobettes pis tout. Voyons! Fait que je pense que la dernière fois qu'on est allé quelque part, moi, je sens le linge, hein? Être sûr que c'est sale ou c'est propre. Vous voyez, tu sais, ce chandail-là, c'est probablement... Ça fait probablement longtemps, là, parce qu'il y a du linge que les enfants, finalement, n'ont jamais porté. OK. Bon, ben ça, c'est propre. Ça, c'est propre. Yes, sir! Ça, des bobettes, des filles, je ne sentirais pas ça. Les gars, il n'y en aura pas besoin. Collant, bas peut-être. Bon, OK. Fait que pour Axel, ça doit être ailleurs. Ah oh non, c'est quoi, ça avait mis là-dedans, je pense. Non, là-dedans, c'est des pots là. OK, bon, OK. Fait que Axel, je vais le mettre là. Je pense que j'ai mis ça ailleurs. Comme ça. J'avais acheté chez Zara, vraiment trop cute, là, un sac comme ça. Puis dedans, dans le fond, là, on va amener comme 2 sacs à traîner tout le temps. Qui va être probablement ce sac-là pour tout ce qui est les iPads, les Switch, les affaires comme plan secours. Tu sais, moi, je donnerai pas les iPads dans les attentes, tout le... Dans la file d'attente, pas dans les attentes. Ni au resto. Nous, là, quand on va au resto, c'est comme tu joues à plein de jeux. Puis si ça va bien, tout le souper, si vous avez été faim. Puis si finalement on décide de reprendre, mettons, un café brésilien, là, on sort les tablettes. C'est comme ça qu'on fonctionne tout le temps. Puis pour vrai, ça va. Je touche du bois, là, mais généralement, super bien. Ils nous gossent pas avant, puis ils sont fins. Fait que probablement que ça va être pour ça. Fait que voilà, il était trop beau. Puis je trouve que la grosseur est genre parfaite pour ce qu'on veut en faire. J'ai aussi acheté sur. Oh, je vais répondre parce que, mettons que c'est le passeport. Au revoir. Au revoir. Hein, les derniers appels entrepreneurs. Donc, oui, sur Amazon, j'avais commandé ça parce que là, ce qui arrive, c'est que les bouteilles d'eau, je vais vous montrer tantôt que j'ai pris de Création V pour les bouteilles thermos pour le voyage. Ce qui me gossait un peu de eux adultes, c'est qu'on peut pas les mettre dans un sac comme il y a comme. Si vous les avez pas, je vais vous les montrer tantôt, mais c'est comme un bouchon. Fait que c'est sûr que ça va couler si on met ça dans un sac. Fait que j'étais comme, on n'a pas de truc de même pour la poussette. Fait que je trouvais que lui était comme parfait. J'ai checké plusieurs modèles. Hop là. Fait que sur Amazon, ça s'appelait Swan. Comment ça s'appelait? Stroller Organizer Bag. Fait que moi, j'avais marqué organisateur pour poussette, je pense. Fait qu'on l'accroche à la poussette. De même, là. Puis là, on pouvait mettre 2 bouteilles d'eau, genre les nôtres, le téléphone. Puis ça, c'est comme un affaire à mouchoir, genre. Fait que je trouvais ça bien pratique. Puis il était pas, pour vrai, il était pas dispendieux, là. Je vais l'ouvrir. Bon, je ne l'ouvrirai pas, il est fermé. Fait que voilà. Puis d'abord, pour les filles. Oh mon Dieu! Fait que mes achats que j'avais faites côté vêtements. Je vous montre ça. Pas celle-là. T'sais, pour vrai, si vous voyagez pas beaucoup, là, moi je vous le dis, là, genre,
exagérez pas sur qu'est-ce qui est hoodie, maillot puis pyjama. Avant, là, j'en ai amené là, genre pour 5, je pense, pour une semaine. Puis je me suis vraiment rendu compte que 2 maillots, 2 pyjamas, c'est en masse. Après ça, ça reste des enfants, fait calculer un kit par jour parce que c'est sûr qu'ils salissent. Tu peux pas remettre un t-shirt, en tout cas. Si vous pouvez remettre un t-shirt de votre enfant le lendemain, vos enfants sont très propres. Fait que, ok. J'ai-tu mis ça là-dedans? Ah oui, je pense que j'ai mis. Non, en tout cas, je sais pas. Ok, linge à Axel aussi est dedans, c'est que c'est flou. Fait que pour Axel, j'avais trouvé full d'affaires H&M, Zara, si vous cherchez des choses de Disney. J'ai pas enlevé les étiquettes, fait que je vais vous dire ça vient de où. Non, je ne laverai pas mon linge avant de partir, jugez-moi. Donc, H&M, j'avais acheté le petit t-shirt de Mickey, la couleur vraiment belle, là, c'est genre cognac. J'avais pris des trucs à l'air avec ça, je pense pas. Fait que, ouais, ça comme ça, fait qu'un chandail de Mickey. Je vais le mettre ici. Ah, je vais le mettre dans sa valise à lui. Ensuite, Woman's. Il est en spécial en plus. 19,99$. Fait que j'en ai pris pour toute la famille. Le t-shirt blanc, comme ça, de Mickey. Froum. La petite enceinte, ça, c'est vraiment trop cute, là. Genre, tu sais, je risque d'y mettre ça une journée, mais en dessous, il va avoir comme sûrement ses shirts noirs ou les new mix and match, vu que c'est comme léger. Fait que Zara, j'ai acheté le haut, comme ça. Et les joggers comme ça, mais tu sais, ils sont tellement chauds que je sais pas si finalement il va les mettre, mais vraiment, c'est vraiment bien. Pour vrai, le linge de Disney aux arrêts, il est pas tant dispendieux, là. C'était genre même pas une vingtaine de piastres pour les kits. Tu sais, comme même ça, checker ce kit-là, il est vraiment trop beau, là, je suis jalouse. Un chandail comme ça, ok. Avec les petites shorts, genre, à quel point il va être mignon! Tu sais, genre avec sa casquette, hey, checky, avec sa, oh non, sa casquette turquoise ou sa casquette genre bleue de même. Oh, ça va être trop beau! Fait qu'il y a un kit. Moi, je trouve tellement facile, c'est facile les habits quand c'est des kits de même. Puis, j'avais pris un pidge. Oh! Ok. Un pidge de Jurassic Park. Trop cute. Celui-là, je l'ai pris chez H&M. Fait qu'il est comme ça. Avec ça ici. Fait que voilà. Puis il y en a un cours de Spider-Man que j'ai donné à sa fête. Fait que ça, on va vous l'amener, c'est sûr. Après ça, les filles. Ça aussi, j'ai. Tu sais, j'ai fait genre ma commande en hiver. Hein. Fait qu'on dirait que j'ai oublié qu'on partait l'été. Ça, vraiment nice. Mais au moins, ils vont avoir un kit chaud. Je pense que je vais juste leur amener un kit chaud. Checkez ça comment c'est trop cute, ok? Ça. Tu sais, ça là, ça va être genre leur crewneck de la semaine. Hein. Avec. Oh, boy. Genre, ça me ferait là, tellement que c'est long, là. Shit, je pense pas que j'en ai les pantalons. Ouais, non, je pense que ça, je vais le mettre de côté. Ouais, ben ça c'est pas grave, ça leur fait un... Mais je trouvais cute le kit, là, mais ça, avec ça comme je vous ai montré, puis je l'ai en double aussi, je vais regarder, voir pour le fun. Pourtant, c'est H&M, H&M, mais c'est quand même fait grand H&M. Fait que pour Zouzou, puis les pantalons, ça a l'air de quoi? Tu sais, j'ai pris 7, 8, même... Ah non, genre les pantalons aussi. On va les ressortir un autre tantôt. Sinon, je leur ai pris un pyjama. Bon. Un pyjama comme ça. Ben, je dis un pyjama, ouais. Plus en pyjama, là, mais regardez ça, c'est cute ça. Avec le petit genre... tu sais, style cuisse, pas comme un biker shirt un peu, là. Fait que ça, je leur ai pris ça en double. Ensuite, les t-shirts. Il en manque un. Il doit être en bas dans le bordel. Celui-là, c'est lui à Zune. Fait qu'il y a un t-shirt comme tout le reste de la famille. Pour Léa, il l'avait pas pour la grandeur à Zouzou, là, mais regardez comment il est beau. Genre, je suis jalouse. J'aurais aimé ça l'avoir en grand. Fait que voilà pour Élé avec des petits biker shirts. Genre, ça va être vraiment beau. Sinon, là, des shirts roses, ça serait beau. Ça aussi aux filles, un chandail, comme ça, même chose, le biker shirt, ou si vous avez suivi mon haul H&M, j'ai trouvé tellement de petites shorts, genre style jeans, mais les filles les trouvent vraiment confortables, ça venait en paquet trop couleur, mais trop couleur que je savais qu'il y avait dans leur affaire, fait que ça va être facile à faire leur valise, fait que voilà l'autre pour Susan, et c'est vrai, j'avais oublié que j'avais acheté ça. C'est des petits lipsticks que j'avais pris genre sur Amazon, je pense, de princesse. Fait que je vais leur mettre ça aussi dans leur wall comme ça. Là, je me demande pourquoi il y a là-dedans. Il y a rien. Ok. Fait que ça et
ça, je vais mettre ça là-dessus. La maison va être un vrai bordel, les chums. OK. Ensuite, j'ai pris pour moi un t-shirt. OK, mais il est tellement... Hey, sérieux, H&M, là, c'est tellement rendu oversize, là, je vous le dis. Là, à chaque fois, là, je suis comme... Ah, checkez ça, genre. C'est tellement... OK, vous le voyez pas, là, mais... Mais je pense que ça va être beau avec un look biker shirt. Fait que ça, c'est pour moi. Des bolons. Parce que moi, je pars avec mes souliers blancs. Je trouve que c'est la chose la plus confortable au monde. Puis mes natives aussi. C'est tout. Genre, tu sais, on n'a pas vraiment de resto chic, là. Tu sais, dans le sens que, mettons, on s'est organisé pour que les restos soient sur notre parc. Fait que mettons qu'on va à Magic Kingdom. Ça, je vais essayer de vlogger Walt Disney. Puis je vais comme tout vous expliquer jour par jour. Mais. Grosso modo, la journée qu'on va, mettons, à Magic Kingdom, on soupe à Magic Kingdom. Fait que si, mettons, ça se passe, ben pas que ça se passe pas bien, mais on a chaud pis on veut vraiment que les enfants fassent une sieste dans leur chambre, on a prévu, mais très relax, là, soit de rester comme toute la journée, non, si ça se passe pas bien, soit de revenir à l'hôtel, au pire, on fait un après-midi piscine puis on retourne au parc le soir, il y a des navettes vraiment tout le temps à Disney. Ou ben, si ça se passe super bien, qu'il y en a comme un ou deux qui font des siestes dans la poussette, ça sera ça, puis on va souper comme on va passer la journée soirée à ce parc-là. Fait qu'on part, tu sais, ce que j'aime, là, c'est qu'on part vraiment dans un mood relax, là, dans le sens que, autant on part avec ma mère puis mes beaux-parents, tu sais, ils sont tous comme, hey, on y va à votre bille, les enfants sont brûlés, on retourne, ils s'en foutent, tu sais, ils y allent pour vraiment vivre l'expérience avec les enfants. Fait que c'est fun pour ça. J'avais acheté à Axel les maillots Marvel, comme ça pour dîner, fait que Axel, puis ça venait en paquet de deux. H&M, si vous voulez chercher, il y a plein de modèles. Là. Moi, c'est parce que j'avais le goût de prendre Marvel. Ensuite, ça, je l'ai acheté à Max. Il est bien trop beau. C'est genre un... Ça risque d'être le seul Audi qui amène. Là. Un affaire, mais checker. Comment il est cool. Puis en arrière, il y a comme la petite affaire de Donald Duck. Mais il est vraiment beau puis il fait vraiment bien. Fait que ça, pour les valises à Max. Moi, je me suis pris plusieurs t-shirts parce que j'avais dans l'optique de mettre... un t-shirt avec des biker shirts puis mes shorts. Fait que, comme un mini comme ça. L'autre, je vous l'ai montré tantôt. Un comme ça, de Snoopy, genre. Je pense que c'est mon préf. Tu sais comment il est beau. Vraiment beau. Et puis, mais là, il annonce vraiment chaud. Hein. Fait que là, je me demande si je mets pas aussi des camisoles dans mes affaires. Ça, c'est mon chandail à moi. Fait qu'on va tout être timé cette journée-là. Et lui, ah, oh, c'est lui, Daily. Le t-shirt Hailey. Fait que je vais mettre ça dans leur pile à eux. Fait que ça, c'est les achats. Ah, j'ai un hoodie aussi. Je vais aller le chercher. Je vais vous montrer ça. Puis je vais vous montrer les bouteilles aussi. Fait que le petit hoodie que moi, je m'avais pris. Encore une fois, j'ai vraiment exagéré sur la grandeur. H&M, j'ai pris large. Fait que je me suis dit, c'est un hoodie. Je prends tout le temps large. Genre, il est énorme, là. Énorme, 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 énorme. Fait que je sais même pas. Genre, à un point qui prend de la place dans mes valises, genre. Fait qu'en tout cas, je vais le mettre là. Puis les bouteilles d'eau, OK, qu'on a fait faire, c'est nos bouteilles d'eau comme ça. C'est pour ça que je vous disais que, tu sais, même si je le ferme, hein, fait que c'est pour ça que le truc de poussette, fait que regardez, ça, c'est ma bouteille d'eau en moi, là, fait qu'elle est vieille, là, mais regardez, j'ai fait ça de même pour nous. Pour mon beau-père puis mon chum, j'ai fait plus style comme ça. C'est pour vrai, là, si vous les avez pas, ces bouteilles d'eau, on en a plus tant sur le site de Création V, mais... Ça reste frais sur un temps. Là. Genre, si tu mets de la glace dedans le matin, est encore là le soir. Fait que c'est pour ça que dans des températures chaudes, c'est vraiment idéal. Même en faire pour celle des enfants. Les enfants, ils sont capables de l'ouvrir, la fermer toute seule. Fait que ça, comme ça, voyez-vous, comme ça. C'est cute, c'est cute. Axel, lui, j'ai pris en gobelet de même. Là. Mon gars, c'est un gros bébé. Là. Sauf celui-là, là, je vais l'enlever. Là. Comme ça. Voilà, fait que toutes les autres, là, je vous montrerai pas toutes les autres. Fait que ça ressemble pas mal à ça, fait que je vais essayer de runner ça avec ma petite liste que j'ai. On va commencer par vraiment les valises des enfants. J'ai fait une valise pour les deux filles, une valise pour Axel. Je vais vraiment commencer le basic, là, tu sais, comme les ensembles, les pyjamas, les casquettes, les bobettes, tout ce qui est linge. Puis après ça, je vais comme changer de catégorie, mettre les shampoings puis tout dans les bouteilles parce que là, l'affaire, c'est qu'il est déjà... Quelle heure? Il est déjà 2h37. Puis je vais partir à genre 3h maximum chercher les enfants. On a reçu un papier de la poste. Mettons, dans le meilleur des mondes, c'est les passeports. Dans le moyen meilleur des mondes, ben c'est juste les papiers qui nous retournent.
Mais si on a les sources connaissances, on pourrait peut-être partir en chambre. Fait que, à suivre! J'ai fait du montage! 4h30, on est rendu à l'étape de faire nos petites boîtes. Je voulais que ça soit une surprise, mais finalement, là, Max est encore là-bas. Fait que on fait ça en gang, pas le choix! Hey! Lendemain, on a fini les valises. Tout ce qui nous reste, c'est du savon pour les enfants. C'est tout, je pense. Fait que les petites boîtes, les enfants les ont décorées hier, comme je vous disais. Très original. Fait que celle-là, Aïlia, regardez, j'y ai mis comme plein. Il y en a vraiment beaucoup dans le fond, là. Un jeu de sauterelle et coccinelle que c'est comme, faut que tu écrives les mots. Puis elle aime bien ça. Elle invente plus des mots qu'elle les reproduit. Pas l'invente, là, mais elle prend pas nécessairement eux. Un livre, un jeu du nom. Tout ce que je vous ai montré hier. Puis j'ai demandé aux enfants de se rajouter soit des Legos ou des petits personnages. Puis ça, comme je vous avais montré hier, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Fait que je leur en ai fait choisir deux chaque. Fait que ça, c'est la petite boîte d'avion à Léa. Celle-là, à Zoé, hier, on s'est commandé du McDo. Parce que Max était au passeport. Et, ben, ça venait avec. Ça voulait ça. Ça, c'est juste un étui-tel, OK? Il n'y a pas un téléphone là-dedans. Sinon, elle a aussi un jeu du nom parce qu'elles sont pas assis ensemble. C'est genre leur jeu préf. Puis elle s'est rajouté des personnages, des trucs. Même chose que sa sœur. Fait que ça, c'est le masque parce que Zoé, elle a dit qu'elle en avait besoin pour l'avion. Fait ça. Et Axel, ça, je vais les enlever tout simplement. Parce que, pas sûr que ça va passer aux douanes. il a essayé d'ouvrir ça, le petit frêle, là. Puis, il s'est rajouté comme plein de petites voitures, lui. Leur petit tag, je veux dire, leur petit domaine, des personnages. Il s'est choisi des Playmobil de hockey. Fait que plein de petits cossins comme ça. Fait que voilà. Ah, puis un jeu de bataille, mais d'animaux, qu'on aime bien jouer. La ferme du foin-foin, que ça s'appelle. Fait que j'avais mis ça là-dedans. Là, c'est parce qu'il joue le cœur avec, là. Fait que ça de même. Sinon, ben, ça a quand même bien été hier. Je vous dirais, Max est revenu vers 7h30 parce que par chance, si vous avez suivi la suite de la saga passeport sur Instagram, il s'est fait donner un ticket de rendez-vous pour ce matin. Donc, il est en ce moment à l'intérieur en attendant les papiers. Fait que je ne sais pas. Écoutez, si vous voyez cette vidéo-là, c'est qu'on a fini par partir. Ben, en fait, non, parce que je vais vous le mettre tout de suite, mais... Bref, on devrait avoir les passeports aujourd'hui. On a vraiment été chanceux. C'est vraiment un gardien de sécurité qui a distribué quelques rendez-vous et Max a été un des chanceux. Fait que ça, on devrait les avoir. On devrait les avoir. Je croise mes doigts, mes pieds, mes orteils, mes cheveux. Fait que là, nous, en principe, on part... Ben, en principe, moi. En principe, on part cette nuit-là, genre à 3h du matin, on décolle de la maison. Fait que tout est pas mal prêt. La poussette est dans le camion. Les valises, j'ai vraiment eu de la misère à faire mes valises. J'avais trop de kits, genre. Puis pourtant, c'était facile parce que je me suis dit, je vais m'amener des biker shirts puis des t-shirts de Disney. Mais là, j'étais comme d'un coup qu'il fait vraiment chaud. Je vais m'amener des camisoles de sport. Mais là, tu sais, pour le soir, je voulais des chemises par-dessus mes tops de sport. Fait que finalement, ça fait que c'est sûr que j'ai trop de linge. Mais tu sais, au moins, c'est des biker shirts, des camisoles, des tops, des chandails. Fait que ça prend pas beaucoup de place. Puis, c'est ça, les enfants, ça a été le plus facile. J'ai suivi la liste que je vous ai montrée. On s'est fait, dans le fond, là, Eléa puis Zoé partagent une valise de linge. Axel a sa valise. Puis sinon, on a comme une autre valise que on sait comme pas trop encore, là, parce que c'est elle qu'on amène dans l'avion, fait qu'on peut pas mettre de liquide. Fait que finalement, c'est comme si on avait une valise un peu de trop. Mais en tout cas, on risque de mettre... Ah, c'est ça qu'on voulait mettre. On va mettre, je pense, les trois petites valises dans la valise d'avion. Avec d'autres cossins, genre que c'est pas des liquides, là. Fait que, tu sais, mettons, qu'est-ce qui manque de place? Mais il manque pas vraiment de place dans les valises pour ouvrir, là. Tu sais, au final, dans l'avion, il va avoir la poussette. Ben, dans l'avion, dans le truc en arrière, là, la poussette, la valise à Max puis moi, la valise aux deux filles, la valise à Axel. Puis, c'est pas mal tout. Les flotteurs, je pense que je vais les accrocher sur la poussette, je pense. En tout cas, je vous dirai finalement qu'est-ce qu'on a fait. Puis dans l'avion, on va amener la grosse valise, ben la moyenne valise avec les jeux, la valise comme je vous dis. Puis un sac, mon sac quand même. Mon sac comme ça avec les plein de cossins là, épipennes. Tu sais comme si c'était ma sacoche dans le fond, les papiers de passeport, tous les papiers importants. Puis probablement aussi qu'un des enfants va avoir ça pour... On checkera, mais sinon,
on est pas mal ready, fait que je vous quitte et j'espère pouvoir vlogger les vacances